Coucou YouTube, on se retrouve un peu en petit parce que je voulais vous montrer cette arme. Exactement, regardez comment est-ce qu'elle est build. C'est pas joli ça, chat? Est-ce que ce n'est pas joli? Ça l'est. Et c'est donc la présentation d'une game avec une M13 x8, munitions SOCOM. J'espère que ça va vous plaire. Pensez au code Chouachan dans la boutique, à commenter, à liker pour le référencement, tu connais. Bon visionnage. Bébou, c'est propre ça, comme ça tu pourras tout monter toi. Ça va pas être bien ça? Tu vas te faire. C'est par contre si le câble management il est pourri, Bébou, je pisse dans ton ordinateur. Hein. C'est quoi son arme? Non, les gars, attendez, avant de vouloir mon arme, on va l'essayer. Tu peux expliquer c'est quoi les 30 000 euros de prime? Ben celui qui gagne le G-Fight gagne 30 000 euros pour A4. Ça fait une belle somme, hein. Ça fait... après, est-ce qu'il y a tout que pour le premier ou est-ce qu'il y a un prix pour le deuxième, troisième, etc. Ah, je sais pas. C'est une bonne question. Je sais pas comment c'est fait. Je sais pas comment c'est fait, les gars. Il y a que le premier qui gagne un truc? Tu as un Discord, bien sûr les gars, pour l'installation Discord, c'est là que vous vous retrouvez avec la communauté. Oh les trois têtes hein. T'es encore toi? $7500 par tête, ça fait plaisir, mais de ouf. De ouf, de ouf. Il y a quand même un team où j'ai fight 6 ou 7. Dommage que Lolo ne vienne pas. Pourquoi est-ce qu'il vient pas? On lui a refusé son équipe ou un truc comme ça? Il me semblait qu'il était avec Gotaga. Que ça faisait Gotaga, Lohan, Zyler. C'était genre the Monster Team, tu vois. Équipe refusée. C'est vrai que moi j'ai ESK, Smith et Warren. Donc allez go. Je vais pouvoir acheter ma classe les gars et l'essayer. Merci Dude pour les 2 mois. Ok les gars, donc on est sur une M13 jamais vue je pense. Une M13 en x8. Le viseur est sympa, ça vise plutôt rapidement. La stabilité pour une M13 est un peu douteuse.
c'est le mot douteux est... C'est pas mal. Qu'est-ce que t'as, Micheline? Code tracker? J'en sais rien. Elle est magnifique en tout cas. Ça, je suis d'accord avec vous, les gars. Identité de la cible mise à prix confirmée. Éliminez-la. Vous avez échappé à l'ennemi. Salut Axel. Re. Attends, y'a un mec derrière moi? Qu'est-ce qu'il fait là? What the heck? Alors, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Ouais, Micheline. Il y a Code Tracker, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, t'écoutais pas? La pire. Tiens. Bon, c'est clairement pas la distance à laquelle on doit jouer. On doit jouer avec cette arme. Mais. Davai Arbaï. Comme dit MDS. Salut Axel. Elle a pas l'air incroyable, les gars. Oh là là. Oh le gros dégueulasse. Qui est en train de camper déjà là-haut. Oh. Faut que j'aille régler ça. Merci beaucoup l'homme. Tu nous rapproches des 8600. Bordel, c'est beau. Et donc ouais, pour vérifier que personne... En fait, on a reçu un message, etc. que j'ai vite fait lu et tout. Qui expliquait que, ben, en gros... Il allait y avoir une vérification du river boost, etc. Mais parce que... Je pense que ça a râlé. Certaines personnes ont râlé suite au... Le drone est à court de carburant. Suite au qualifieur qu'il y a eu. Il est tellement BG ce perso. Et donc cette fois-ci, tout sera vérifiable, etc. Déjà 7 mois qu'on était confinés. C'est pas faux. Alors là les gars, il va se passer un truc giga important. Il faut vite, vite, vite que je prenne le camion et que je trace en centre zone. J'ai acheté un colis, je sais qu'un autre colis va tomber, mais en fait, si je me fais tuer là, imaginons je prends une grosse pruneau dans la tête, mais mon loadout va retomber vers le milieu de la map. Donc là, plus je vais m'avancer vers le milieu de la map, plus mon colis va tomber vers le milieu. Et en gros, si le cercle pop au fur et à mesure par ici, je serai bien, j'ai fait un achat utile. Là il me reste encore 9 secondes pour m'éloigner. J'ai repéré un mec sur le toit là à gauche. Hop, je m'éloigne le plus possible et après on y retourne. Hop, c'est bon. Et du coup, mais mon colis tombe hors zone, les gars. Donc ça servait absolument à rien que j'achète un autre colis. Je me suis auto-ken. C'est con.
putain la haine. Chier. Il y a un chacal les gars qui traîne par ici. C'est un shotgun ça non? Un shotgun de feu. Et vous avez vu la distance les gars? Est-ce que vous avez vu la distance à laquelle il m'a touché? Attends. Merde. What? Ah, j'ai de la IM gros. Regardez la puissance de ce truc les gars. Honnêtement, comment un bouclier peut survivre à ça? C'est impossible. Impossible les mecs. Par contre la méta Micheline les gars. Aussi appelée arme avec 100 balles à l'intérieur et viseur x8. Plutôt efficace, plutôt surpris. Ah, il y a une voiture qui s'enfuit. Ah, elle vient de s'arrêter. Ah, elle est sous le pont. Putain, il y a que des retours. On va tenter un spray, les gars. La voiture à droite est prise aussi. Mauvais choix, gros. Ça va compter un kill ou pas? Non? Je m'en doutais. C'est dégueulasse parce que c'est moi qui break le shield. Les gars, il a déconnecté. Le mec a abandonné sa caisse, il est où? Chat, ni d'help, ni d'info. Il est cuit mon camion les gars. Sans le campeur les gars là. What? J'ai failli me faire une frappe là. Ça fait une erreur gros.
Le timing, les gars. Quand push, quand se re-shield, il l'avait perdu. Donc ESK ici présent sera un de mes mates pour le G-Fight et comme pour la plupart des compétitions qu'on a faites. ESK, une petite phrase? Genre easy win, trop pressé de me faire 7 500 €. Le G-Fight c'est de l'eau. Wow, ESK, calme-toi. Calme-toi sur ces annonces. Bon, ESK qui apparemment est bouillant. On verra. Alors nous on a un programme avec pas mal d'invités etc jusqu'à la fin de semaine donc on pourra pas trop s'entraîner avec eux. Ils vont s'entraîner tous les trois. Après j'ai déjà joué indépendamment beaucoup avec chacun. Envoyez un dispositif de reconnaissance. Donc il y a pas. La gueule que t'as, salopard de merde, avec ton shotgun. Non, il me reste 3 balles. Je les connais, c'est bon, tiens, nique ta mère. Je te jure, ils me rendent fou avec ce R9 en feu. Activision, nerf shotgun en feu, please. $30,000 en jeu, vous inquiétez pas pour l'entraînement, on fera 100. L'entraînement, les gars, c'est pour ceux qui en ont besoin. Hein. Donc voilà, la première session d'entraînement qu'on fera sera samedi matin. Donc samedi matin, tout le monde rendez-vous vers 10h, 11h et tac, on se la colle jusqu'à je sais pas quelle heure. Tu peux nous parler de Warren et Smith? C'est deux fils de pute en vrai. Tu je dis quoi sur eux? Parce que là j'ai tout résumé hein, avec les trucs. Smith les gars, ancien joueur pro sur CSS, ancien meilleur joueur du monde sur CSGO, coach d'une des meilleures équipes du monde sur CSGO. Il fait partie des meilleurs joueurs FPS du monde. C'est comme ça. Et Warren, c'est un très bon joueur, peu connu. Peu connu, les gars. Mais... je le sens tellement pas cette zone. Mais avec qui j'ai fait quelques tournois sur PUBG. On s'est très bien entendu. On a plutôt un bon team play tous les deux. Donc voilà. Et après j'ai pris surtout voilà, des mecs avec qui je m'entends bien, avec qui je sais que ça va très bien se passer. Ça pue. Elle a disparu la frappe. Elle a disparu les gars. Ha. Donc voilà. Je suis content d'avoir des gens avec qui je vais bien m'entendre, avec qui je sais que quand il y aura des calls, ce sera écouté. Et si c'est contredit, ce sera pour sûrement une réflexion intelligente derrière.
vu qu'ils ont tous des bonnes visions de jeu, donc je suis vraiment pressé de, qu'on partage ce moment ensemble. Ça va être un bon moment. Il reste plus que 10 personnes, les gars. On papote, mais la game, elle tombe au fur et à mesure. Et les gars, on est des vrais pis en vrai. Des vrais pis. Va y avoir un bon level sur ce tournoi. Ouais, de ouf. J'espère que tout le monde va bien respecter les règles. À pas changer de compte, à pas river boost, etc. Mais voilà, sinon, ouais, il va y avoir beaucoup de niveaux. Hein. C'est abusé tout le niveau qu'il va y avoir, même. Mec, je me fais back. Il me l'a collé. Il me l'a collé, les gars. À cette distance, il me l'a collé. C'est quoi ces mecs? Les gars, c'est quoi ce fin de game? Il y a un sniper qui a pris la visu là-bas. Il y a un mec qui est collé en dessous de moi. Ça pue là, les gars, en vrai. Incroyable, hein. Comment ça se fait qu'il arrive à rester en extérieur sans se faire tuer? Elle va faire ta vie, mon grand. Ok. Ok. Ce genre de zone, les gars, ça les... Vous avez vu? Le petit shotgun là qui arrive en sneaky biki. Ce genre de zone, les gars, il y a tout le monde qui se met à arriver tranquillou. Oh mon dieu, les gars. Radez son arme. Radez, hein. On est en solo, les mecs. On est en solo. Je temporise la maison, les gars. J'essaie de prendre des petites visus, etc. J'ai quand même 14 kills. La zone, elle repop sur moi, c'est propre. Ok, je vois absolument rien là. C'est bon. C'est là où je viens de regarder, non? On est d'accord que je viens de me faire défoncer par un endroit où je viens de regarder, chat. Info? Va acheter un drone. Pas safe. J'ai vu. Tu sais quoi? En fait, safe ou pas safe, t'as raison. Ok, sac à merde. Let's go!
Ils sont entretués les deux derniers. J'ai gagné avec cette arme. J'ai gagné avec cette arme, les mecs. 15 kills, 4000 de dégâts, c'est giga.